Des grandes plages du littoral lui parviennent les effluves de la mer et l'écho de ses acteurs. D'un jardin aux frondaisons multiformes montent les senteurs d'un environnement fait de douceur et de suavité. Par la grande baie de son atelier de Saint-Vigor-le-Grand, Roland Lefranc peut contempler, humer cet univers de félicité. Libéré de toute contrainte, le geste du peintre va pouvoir s'accorder avec les espaces d'infini que lui offre la nature. Laisser exprimer tout le tempérament d'un terroir, hanté par la rudesse et l'âme généreuse des paysans et des gens de mer. De ce singulier contraste va naître cette peinture exaltée, en perpétuelle recherche d'une harmonie entre un monde en mouvement et la beauté crue du paysage. Je crois qu'en peinture, le rythme, le geste a une importance considérable. Enfin, du moins, dans la façon dont je conçois moi la peinture. Je crois que il faut que ça s'inscrive dans la matière et qu'on sente dans la matière le mouvement qu'on traduit en même temps par le dessin. Je crois que je suis un peintre gestuel. J'ai besoin d'espace. D'ailleurs, dans les grandes toiles, je suis beaucoup plus à l'aise que dans les petits formats parce que le geste peut s'accomplir dans sa totalité. Est-ce que cette recherche ne vous a pas un petit peu porté vers l'abstrait parfois ? Absolument. Non, mais de toute façon, je pense que l'abstrait est un aboutissant. C'est-à-dire que c'est la réalité transcendée. À partir d'un certain moment, je crois qu'inévitablement, on tend vers cette forme d'abstraction, en ce sens qu'on synthétise les choses, on les simplifie à l'extrême, et à la limite, ça devient uniquement des rapports colorés de surface, de lignes, de couleurs. Et je crois que c'est une démarche naturelle vers une plus grande synthèse des choses. Le thème, l'objet ne devient plus qu'un prétexte. De toute façon, le thème, l'objet ne sont que prétexte à traduire ce que l'on ressent face à eux, ce que l'on ressent face à un personnage, face à un paysage. Ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que l'on voit, c'est la manière dont on le voit. Et je crois que ce que je peins pour moi est plus vrai que ce que je vois, en ce sens que je me suis impliqué dedans. Et c'est vraiment la sensation que j'ai éprouvée devant les choses que j'essaie de traduire sur la toile. C'est en 1931, à Carcagny, en lisière du Bessin, que naît Roland Lefranc. Dans un petit village en pleine campagne, comme pour sceller déjà son destin d'homme solide et spontané, en symbiose avec son terroir. Pendant que son père y tient l'unique café-épicerie du village, sa mère, institutrice, lui ouvre la voie de l'enseignement. L'école normale se double pourtant d'une autre aspiration, plus en rapport avec une passion qui déjà le taraude, la peinture. C'est l'époque bientôt des premières rencontres avec Louis-Édouard Garrido, à l'école des Beaux-Arts, puis en 1957 avec André Lemaître. Mais sur le terrain, il a vite acquis les enseignements de la nature. Sur le motif, il a puisé les raisons qui l'inciteront sa vie durant à rendre la réalité dans ce qu'elle a de fort, de généreux, avec une sincérité qui capte ses émotions dans le simple spectacle d'un paysage, dans le labeur des hommes au travail, ou devant la beauté d'un ciel. En même temps, il apprend vite à faire la synthèse des choses, évinçant le superflu et l'anecdote. Une constante dans son œuvre qui révèle une acuité à saisir l'essentiel et à cerner l'essence même du sujet. Un sens très vif de l'observation, conjugué à une grande maîtrise du crayon, s'est signalé très tôt dans la pertinence de dessins où apparaît la vérité de son art, fait de rigueur et de franchise. Thank you.
dessin avant de faire une toile? En général, oui, parce que ça permet, déjà le dessin permet de faire une synthèse. Ça permet de d'élaguer déjà dans sa vision tout ce qui est superflu, tout ce qu'on a besoin d'éliminer. Parce qu'une toile, au fond, ça se résume à quelques éléments. Et il suffit de trouver les bons, choisir les éléments essentiels, et puis à partir de là, on reconstruit. L'homme est secret, mais derrière une discrète retenue, Roland Lefranc laisse en toute occasion éclater cette extrême vitalité contenue dans la vigueur de son terroir. Cette matière qu'il triture avec bonheur et prodigalité s'étale en résonance avec la glaive travaillée par le paysan, ou prolonge les gestes vigoureux du pêcheur, halant son doris ou ses filets à bord d'un chalutier. L'impétuosité du geste n'est que la traduction d'un éternel désir de donner vie au sujet et d'exprimer avec une libéralité insolente cette indicible force contenue dans les éléments d'une mer agitée ou du galop fougueux d'un cheval. Tellement plus agréable de pouvoir se laisser aller le geste jusqu'au bout. Et puis en plus, de plus en plus d'ailleurs, ça rentre dans mes préoccupations, une recherche du rythme et du mouvement. Or, ce mouvement-là, sur un tout petit format, je ne peux pas l'exprimer de la même façon que sur une grande toile, où justement, le mouvement accompagne le mouvement que l'on veut traduire. Cette grande toile de 4 mètres sur 2 voyage aujourd'hui sur le Normandie, l'un des bateaux de la Brittany Ferries, et fait partie d'une série de 37 pièces sur le thème des plages, commandées en 1991 par la compagnie maritime. Un peu stressant quand même, parce que en définitive, quand on travaille sur un morceau de la toile, on ne peut pas envisager en même temps l'ensemble. Donc on est obligé de façon régulière de prendre un peu de distance, parce que sinon, quand je travaille sur un morceau, je ne sais pas exactement comment ça va venir par rapport au reste. Donc je suis obligé sans arrêt de rééquilibrer ma toile pour que l'unité soit préservée, sinon on obtient quelque chose de morcelé et c'est pas le but. Le but, c'est d'obtenir justement une sorte d'unité. Il faut arriver à ce que le geste coule sur la toile sans heurts, sans que ce soit un puzzle. Et je crois que c'est là la difficulté. Et puis en plus, un morceau de cette dimension, il faut préserver l'espace tout en le meublant. Et préserver surtout un certain équilibre entre les différentes masses et différentes formes, et tenir compte quand même du sujet, de l'atmosphère, essayer quand même de traduire quelque chose qui de bien précis, c'est-à-dire cette espèce de climat de nos côtes avec cette mouvance à la fois du ciel, des personnages, des jeux de lumière sur le sable. Et Là, c'est très excitant. Bon, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, mais de toute façon, sur le plan d'esprit, c'est quelque chose de fabuleux. L'artiste démontre une étonnante vitalité dans le jeu des couleurs et la sublimation d'un environnement où la mise en page de la construction accentue la vision presque théâtrale de l'espace.
Dans chaque toile, perce la fougue et l'autorité du créateur, figuratif par instinct, mais porté à transcender le modèle vers un expressionnisme haut en couleur, en virtuose qui a trouvé dans les grands formats une portée pour symphonie. Le mouvement donne lieu à un authentique ballet où le spectateur se projette à l'intérieur de la composition. Invité à entrer en scène, il a toute latitude pour faire évoluer les acteurs. La toile devient lieu d'échange et de dialogue. Mais sur les plages normandes, Roland Lefranc rêve aussi d'évasion, tel le flâneur porté vers d'autres horizons. Ça c'est toujours aussi au jardin du Luxembourg, enfin bref, je vagabonde quand c'est comme ça. J'aime beaucoup les jardins à Paris, ça j'ai fait beaucoup de choses là-dessus, les jardins et les bistrots. Ça les bistrots parisiens j'aime bien aussi. C'est une tradition chez les peintres ça, les bistrots. Oui peut-être, c'est possible. C'est là que se réunissaient les artistes autrefois. Effectivement, oui, plus maintenant. C'est une époque révolue. Hein. L'humeur badine d'un café, l'agitation convulsive d'une rue fourmillante ou l'éclat particulier d'une lumière qui lui rappelle sa Normandie attise un pinceau toujours prompt à s'emparer de l'atmosphère d'un lieu. Venise usa tout naturellement de ses séductions auprès de l'artiste. Venise, c'est un musée énorme, hein. C'est quelque chose de colossal dans un site extraordinaire, ça, c'est vraiment le rêve. C'est un exercice périlleux aussi pour un peintre. C'est dangereux parce que tout a été dit, on a l'impression que tout a été dit, et le problème c'est d'essayer de l'exprimer à sa manière, avec sa propre écriture, parce que sinon c'est pas possible. Hein. Il faudrait essayer de gommer toutes les réminiscences qu'on peut avoir, oublier tout ce qui a été fait à Venise. Pour rebâtir son propre Venise, ça n'est pas forcément évident. De la fin des années 80 date une série de grands voyages, prétexte à de nouvelles découvertes et à l'exploration d'autres civilisations. Tour à tour, New York et le Pérou, Moscou et le Maroc ont attiré le voyageur. Dans une panoplie de lumières renouvelées, l'artiste se laisse envahir pour un temps par de nouvelles alchimies de matière. En même temps, vous êtes un peintre de couleurs, ça vous dicte un petit peu vos voyages? Oui, j'aime bien la couleur. Et bon, effectivement, l'Amérique du Sud, la Chine et même l'Irlande sont des pays quand même de très colorés, de très différents, mais aussi très, très colorés, avec des valeurs intenses. L'Amérique du Sud, c'est noir, c'est rouge, ce sont des couleurs très fortes. La Chine, là aussi on retrouve des rouges, on retrouve une lumière un peu mouillée comme chez nous d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'humidité, notamment dans le sud de la Chine. Et l'Irlande, bien sûr, c'est notre Bretagne en plus sauvage. Ce désir de partir, c'est le désir d'aller peindre ailleurs ou c'est le désir de rêve, d'évasion dont a besoin un peintre? Je pense que c'est un peu tout ça à la fois. Le désir d'aller voir ailleurs, de se plonger dans un monde qui nous est complètement étranger, de se couper de ses racines pour quelque temps et de se laisser aller à de nouvelles sensations. Et aussi pour, au retour, mieux regarder son propre univers, son petit coin de nature, son terroir. Chaque fois que je pars, quand je rentre ici,
Et j'ai l'impression de redécouvrir mon propre pays et de le voir avec des yeux neufs, inconsciemment d'ailleurs, et le réenvisager autrement. Je pense que ça m'apporte énormément pour la peinture. Ce voyage en Chine a été pour moi un grand choc. Je ne suis pas allé là-bas en savant, je suis allé simplement humer l'air de la Chine, je suis allé regarder ces gens, et je me suis laissé émerveiller par toutes les merveilles que j'ai pu voir, et aussi par le quotidien, parce que le quotidien c'est très important. Et j'ai cherché à, bien qu'il y ait le barrage de la langue, à approcher au plus près les hommes. Il y a un foisonnement de couleurs très nuancées, d'une part au niveau des paysages, etc. Et ce contraste de couleurs violentes, de rouge sang, de bleu, toute une gamme de bleus très lumineux dans les édifices, dans les constructions, ça crée un contraste tout à fait étrange. On s'imprègne de l'atmosphère du lieu et je crois que ça influence énormément le travail que j'ai pu faire sur ce pays qui reste pour moi un pays terriblement envoûtant. De cet empire céleste émane l'image radieuse d'une cité bousculée par le choc des civilisations. La Chine de Roland Lefranc brille de tous ses sortilèges. Par la magie d'une palette enjouée, se répand tout le charme des traditions, à peine émoussé par les paradoxes d'une modernité encore contenue. Le bonheur des rencontres et la poésie des lieux traversés peuvent modifier provisoirement l'univers du peintre. L'exotisme des voyages révèle cette aspiration profonde de l'humaniste à étreindre la vie dans ses moindres battements, avec indulgence et curiosité. Mais la mer est aussi un champ permanent d'échanges et de rencontres. L'Irlande, Belle-Île et Noirmoutier sont autant de havres qui rendent captif le chantre des Lumières et le flâneur des rivages. En 1999, l'observateur du milieu marin est admis dans le cercle très envié des peintres officiels de la marine. Le lieutenant de vaisseau Lefranc ne gagne pas seulement le droit de faire suivre sa signature d'une petite ancre, il s'ouvre en même temps les portes des bâtiments de la navale et s'invite du même coup à partager la vie à bord des marins. Il y a plusieurs faces intéressantes à la chose. D'abord, il y a la mer. La mer en tant que telle, pure et dure, ou calme et attrayante. Cette mer qui est en permanence occupée, on imagine que cette vaste étendue est déserte, alors qu'en définitive, il y a sans arrêt des bateaux qui se profilent à l'horizon, que ce soit des cargos, des bateaux de pêche ou autres, et on se promène parmi tout ça, c'est assez fabuleux. D'autre part, il y a aussi le côté humain, les personnages à bord,
Personnellement, j'y attache beaucoup d'importance et j'ai beaucoup travaillé justement sur les marins et dans l'exercice de leur travail, dans leur fonction. Et c'est quelque chose de passionnant, depuis la passerelle jusqu'aux marins qui font les manœuvres sur le pont, en passant par le chien jaune qui fait atterrir ou décoller les hélicos qui viennent à bord. Enfin, c'est énorme. Il y a vraiment une matière intense, une masse de choses possibles à peindre. Vraisemblablement, c'était une ouverture, sûrement, oui. Mais je crois que c'était aussi, effectivement, aller vers les autres, aller vers les hommes. Il cherchait le contact. C'était quelqu'un qui avait besoin de communiquer. Et d'ailleurs, finalement, sa peinture, c'est de la communication. Les hommes, presque un leitmotiv dans la peinture de Roland Lefranc. Les hommes au travail, témoins d'un art de vivre ou porteurs de civilisation. Paysans ou marins, musiciens ou sportifs, ils ont envahi 69 ans durant l'univers et l'écoute du chantre de la nature et de ses acteurs. Les bistrots ou les cafés, le tumulte sémillant des marchés ou des aires de sport ont été autant de prétextes aux rencontres et à ce désir ancré de sonder les passions et la nature des êtres. En fidèle confident des humeurs de la mer, c'est vers les rivages que Roland Lefranc revenait chercher l'émotion d'un lieu, la beauté infinie d'un horizon. Dans le lyrisme de la nature, il puisait cet espoir dans la vie, faite de tendresse et de poésie, de violence et de rêve. Dans le regard et les gestes des marins, il traquait les caprices des marées, interprétait avec sensibilité les rites des pêcheurs. De cette présence altière dont il embrassait les ardeurs, le flâneur solitaire a prolongé la grandeur pour traduire une dernière fois, dans un élan interrompu, la complicité et le dialogue fécond entretenu avec les gens de mer. Ultime hommage en forme de dédicace resté inachevé un jour d'août de l'an 2000.